Bonjour tout le monde, c'est Patient Scientifique et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les amis, au programme, on va aller voir un feu d'artifice dans un petit village qui s'appelle Rouvigny-sur-Marne dans le sud de l'Aisne, pas très loin de Château-Thierry, là où j'habite. Donc c'est un feu à peu près, je pense que comme c'est un petit village, il doit y avoir entre 2000 et 3000 euros de budget, je pense. C'est un beau petit feu, chaque année il est assez beau. C'est la personne qui tire nos gens l'arteau qui fait le feu. Donc ça va être un beau feu, voilà. Donc écoutez, bah nous on se retrouve une fois qu'on est là-haut. A tout de suite. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à Rouvigny-sur-Marne. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit tour du village pour essayer de vous prendre des jolis plans de ce que propose le village, des églises, des monuments, tout comme ça. Et puis bah après on se retrouve pour le feu du coup. A tout de suite, bon visionnage.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bah écoutez, moi franchement j'ai trouvé le feu vraiment sympa pour un petit feu de village. Hein. Bon, il y a mieux, hein, mais pour un village franchement ça va. J'ai connu des feux largement moins bien que ça pour un petit village comme Rosny-sur-Marne. Donc écoutez les amis, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire péter la barre des pouces bleus. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.